Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast de Marketing Reboot, le numéro 11 déjà. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est au carrefour entre la psychologie, le marketing et ça s'appelle le nudge. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est une innovation? On va écouter ce qu'ont Grégoire et Thibault à nous dire sur cette question. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler hein, et qui en fait est assez ancien d'un point de vue académique. Donc on va essayer de condenser tout ça pour y voir plus clair sur ce phénomène du nudge parce que c'est réellement un phénomène. Déjà, on va s'intéresser à ce qu'il y a au départ du nudge, parce qu'au départ, il y a la psychologie cognitive, c'est-à-dire la façon dont on traite les informations. Et cette psychologie cognitive, elle nous dit quoi ? Elle nous rappelle, hein, au fond, qu'il existe deux routes, deux chemins dans la prise de décision. Une première route qui est en fait une capacité cognitive à traiter de l'information quand on a une motivation à traiter cette information. Et puis une seconde route qui est une route périphérique, un traitement qu'on appelle par heuristique qui permet de prendre des décisions rapides quand on n'est finalement pas tellement motivé à traiter l'information ou alors qu'on n'a pas la capacité cognitive à traiter cette information parce que, par exemple, moi, vous me demandez quel type de moteur j'ai dans ma voiture et ben, ou que je veux avoir dans ma voiture, je n'aurai pas la capacité finalement à traiter cette information et donc je vais la traiter plutôt par heuristique avec d'autres chemins dans ma décision. Donc, le système 1, il est rapide, il est intuitif, il est émotionnel, il est finalement sans effort tellement apporté par la personne et il est à l'origine de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et le second système, il permettrait de les éviter car il est réfléchi, il est logique, mais il est lent et il demande de la concentration, concentration qu'on n'est pas toujours capable de donner, qu'on n'a pas toujours envie de donner. Une fois qu'on a vu ces deux chemins, on peut rentrer dans le nudge par un constat assez simple. On prend tous des décisions absolument irrationnelles. Et depuis longtemps, ce courant de recherche est très actif hein, dans la psychologie cognitive. C'est tout le pan de la science qui étudie le processus finalement de prise de ces décisions avec de grands auteurs hein, autour de ça. Dan Ariely, bien sûr, de la Duke University, qui a écrit un vrai best-seller hein, qui est Predictably Irrational, donc deux mots qui peuvent être bizarres ensemble, hein, irrationnel de manière très prévisible. Et un autre, Daniel Kahneman, qui est Princeton, lui, qui a été prix Nobel d'économie en 2002, et qui nous dit « Thinking fast and slow », puisqu'on voit bien que la vitesse, c'est quand même une notion qui est très importante dans le nudge. Alors, comment on peut définir ce phénomène de nudge dont on parle depuis à peine 10 ans, hein, mais finalement, on l'a vu déjà dans les exploitations, les fondements théoriques sont bien plus anciens. Thibault, raconte-nous ça un peu. Oui, alors le nudge démarre finalement dans les années 90, après que cette première expérimentation dont on a tous entendu parler, cette fameuse mouche dans les urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam, que je vous invite à aller visiter. Puis, quelques années un peu plus tard, le livre de Thaler et Sunstein, dont nous reparlerons, Nudge, en 2008, est publié. 2009, les escalators de Stockholm proposent également une nouvelle expérimentation et surtout Obama crée une cellule de nudge avec Sunstein à sa tête en 2009. En 2010, les units s'accélèrent et en 2017, Richard Thaler reçoit le prix Nobel d'économie. Donc, c'est une accélération de la prise en compte du nudge. Alors, c'est quoi le nudge ? C'est littéralement un coup de pouce, un petit geste, un petit mouvement, une stratégie simple qui s'appuie sur des biais cognitifs, des heuristiques, le fameux système 1 dont tu parlais, Isolis. On parle d'incitation douce. Les nudges, c'est donc au fond des moyens peu onéreux,
mais efficace pour les entreprises, mais aussi pour les gouvernements. Et il y a aujourd'hui plus de 200 Nudge Units dans le monde, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public. Donc, on voit beaucoup d'unités de Nudge qui travaillent sur la génération de mouvements positifs pour l'écologie, pour le traitement des déchets, ou bien par des entreprises pour évidemment inciter à la consommation en travaillant sur certains biais heuristiques, mais peut-être dans le sens d'une consommation plus vertueuse. 2008-2017, on a une dizaine d'années qui expliquent le phénomène de mode autour du nudge. Pourquoi 2008? C'est justement la date de parution de l'ouvrage que tu citais à l'instant, Thibaut, par Richard Thaler et Cass Sunstein, qui s'appelle Nudge, tout simplement. On ne peut pas le rater, cet ouvrage, une couverture jaune, flashy, et deux éléphants noirs en plein milieu. Alors, le nudge, Thaler et Sunstein, qui en sont les pères fondateurs, ils s'appuient évidemment sur le courant de recherche que tu mentionnais en introduction, Isolis, et dans un fondement théorique qu'ils qualifient eux-mêmes de paternalisme libertarien. Alors, pourquoi? C'est un courant qui se qualifie paternaliste parce qu'il justifie que beaucoup d'institutions publiques, on l'a vu, ou privé, s'efforce d'influencer des choix de comportement pour un plus grand bien-être individuel et sociétal, et libertarien parce qu'il repose sur l'idée que chacun doit être libre de faire ce qu'il veut et de changer d'avis. Alors, les comportements irrationnels qui sont les fondements de cette économie comportementale, pour Thaler et pour Sunstein, ils sont prévisibles et donc on a là une idée fondatrice en science du consommateur et donc en marketing, aider des consommateurs à passer d'une intention à l'action. Bref, c'est le premier ouvrage qui commence à appliquer ce qu'on connaît de l'économie comportementale en marketing. Donc, on pourrait évidemment parler de nudge comme étant la face visible de cette économie comportementale, de la psychologie cognitive. C'est une discipline qui adore l'expérimentation psychologique pour développer des théories sur la prise de décision humaine et identifier ces fameuses heuristiques, ces fameux biais qui résultent de la façon dont on pense, dont on ressent les choses. Alors, le nudge, cette phase visible de l'économie comportementale, Thaler et Sunstein nous en donnent une définition qui n'est pas extrêmement abordable, c'est le moins qu'on puisse dire. Leur définition du nudge, c'est tout aspect de l'architecture du choix. On voit bien que ça, c'est une notion clé sur laquelle il va falloir revenir. L'architecture du choix qui modifie un comportement de manière prévisible, ça c'est un élément qui est important dans la définition, sans interdire ou sans modifier les incitations financières ou économiques. Et l'intervention d'un nudge, elle doit pouvoir être facilement évitée et à moindre frais. Bref, 2 heures avant, s'il fallait annuler un nudge, ça devrait être facile de le faire et très peu coûteux. Et donc, les nudges ne doivent pas avoir de caractère contraignant. Alors, ce n'est pas très concret comme définition. En revanche, les exemples que tu citais à l'instant, Thibaut, sont assez révélateurs. On peut imaginer ou voir des nudges qui incitent, par exemple, dans les transports en commun, des utilisateurs à prendre l'escalier plutôt que les escalators. C'est-à-dire, en dessinant, on peut imaginer un stade d'athlétisme qui nous invite plutôt, en suivant des couloirs de course, à prendre des escaliers que des escalators. On peut citer par exemple à la cantine ou au self l'idée que des crudités soient assez facilement accessibles à bonne hauteur et arrivent avant les frites par exemple, pour inciter plutôt à consommer des crudités que des ingrédients qui sont plus gras. Ou alors voter avec son mégot de cigarette, ce qui est aussi un exemple bien connu de certaines terrasses, avec l'idée qu'on peut voter grâce à son mégot de cigarette, voter pour, par exemple, Ronaldo contre Messi avec son mégot. Et donc, dans ce cendrier géant, on peut voter pour son joueur préféré. Le nudge est ici mesurable de manière très concrète et très fine. Quel est le nombre de mégots par terre dans ces zones où on expérimente ce cendrier géant? Donc, un nudge, il peut prendre, on le voit, beaucoup de formes différentes. Ça peut être un objet, ça peut être une mise en scène du self, ça peut être une phrase également, on va le voir dans des exemples plus concrets. Parfois, c'est simplement du wording qui permet justement de qualifier une incitation douce comme étant un nudge en marketing. Alors, une des questions clés devient celle de savoir par quoi nos décisions sont influencées. On l'a dit souvent ici dans ces reboots, le contexte en marketing, c'est fondamental et ça influe considérablement, bien entendu, sur nos décisions. Les heuristiques dont on parlait, c'est une autre influence clé, les raccourcis mentaux, les autres,
autour de nous, également, bien entendu, vont influencer beaucoup nos décisions, les émotions, bien sûr, et puis les biais cognitifs. Et maintenant, nous allons nous concentrer plus particulièrement, Isolis, sur ces biais cognitifs. Alors, en effet, les biais cognitifs, c'est au cœur du nudge, et c'est aussi au cœur de la psychologie cognitive, finalement. Les biais cognitifs, c'est des altérations de nos raisonnements, et notamment un article très connu de 72 qui parle de subjective probability, judgment of representativeness, et qui donc est au cœur de ce début sur le travail du biais. Et donc, finalement, dans la vie quotidienne, on a beaucoup de décisions qui ressortent de systèmes qui sont sous influence de biais ou de raccourcis ou de parti pris, donc dont on n'a pas vraiment conscience. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Et donc, c'est très important pour comprendre le nudge de comprendre quel type de biais il existe, et il en existe beaucoup, plus d'une centaine. On ne va pas tous les écouter, je vous rassure, mais Grégoire, parle-nous des principaux. Avec plaisir, on peut d'abord les catégoriser. Donc, les experts des biais nous disent que d'abord, ils peuvent être mnésiques, c'est-à-dire liés à la mémoire ou à la mémorisation. Il existe aussi des biais qu'on appelle des biais de perception. On a tous en tête un exemple, en étant plus jeune, d'illusion d'optique. Et ben voilà un biais de perception typique sur lequel on joue dans les illusions d'optique. Et puis, ils peuvent être cognitifs, en effet. Alors, on va en citer quelques-uns, les principaux, parce que c'est ça qui rend le nudge particulièrement passionnant. C'est qu'en fait, rentrer dans les biais cognitifs fait écho à des situations qu'on vit au quotidien. Alors, parmi les biais qu'on cite très fréquemment, on peut citer l'effet d'exposition, alors qu'il y a eu beaucoup d'impact en marketing. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que nous dit l'effet d'exposition ? C'est l'idée d'être, quand on est préalablement exposé à quelqu'un ou à une situation, et qui rend cette situation ou cette personne de plus en plus positive à mesure qu'on a été exposé à cette personne ou à cette situation. Peut-être que les auditeurs les plus fidèles de nos reboots nous trouvent de plus en plus sympathiques et nous jugent de plus en plus positifs à mesure qu'on évolue, ce qui est une forme de biais. Ensuite, on a des effets de récence, par exemple. On se souvient mieux des dernières informations auxquelles on a été confronté. On peut avoir des biais qui sont bien connus et souvent très exploités dans les nudges, qui sont des biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est l'influence laissée par la première impression. Extrêmement important et particulièrement exploité. On a des biais de confirmation. Ça, c'est une tendance à valider ses propres opinions avec des instances qui tendent à les confirmer. Et donc, on rejette d'emblée des instances qui réfutent ça. On a des biais de cadrage, un autre type de biais bien connu. Ça, c'est la façon dont sont présentées les données d'une situation. Et selon la manière dont on présente les données, ça influence très fortement les décisions qu'on va prendre. On a un autre biais qu'il faut absolument mentionner, et on va d'ailleurs l'illustrer, c'est le biais de normes sociales. C'est l'idée que nous tous, en tant qu'individus, on est très fortement influencés par les normes partagées par d'autres. Et donc, on a tendance à s'adapter à ces normes sociales, mais davantage par conformisme que par propre motivation. Voilà quelques-uns de ces biais. Il y en a effectivement une centaine, et on ne peut que vous inviter à aller sur la page Wikipédia des biais cognitifs. Il y a des dizaines et des dizaines de pages, et c'est extrêmement bien documenté sur les auteurs qui sont intéressants et qui les ont étudiés. Alors, l'un des biais que tu citais, Grégoire, c'est effectivement le biais de cadrage. Le biais de cadrage, c'est la façon dont sont présentées les données d'une situation qui va influencer nos décisions. L'exemple le plus célèbre, c'est celui que citent Kahneman et Tversky en 79, dans leur ouvrage Prospect Theory, et avec cet exemple notamment où on présente deux manières différentes la même information, le même choix. On présente un choix identique à une audience identique, mais on présente ce choix de deux façons différentes. La première façon, c'est de dire y a une nouvelle maladie qui se répand dans votre ville, deux vaccins sont disponibles. La première option, le premier vaccin, il nous permet d'être certain de sauver 200 vies, mais pas une de plus. Et le deuxième vaccin, il nous donne une chance sur trois de sauver les 600 vies de cette ville. Vous êtes responsable du choix du vaccin qui sera appliqué. Lequel choisissez-vous ? Dans un cas, vous êtes sûr de sauver 200 personnes, mais rien de plus, personne de plus.
Dans l'autre, vous avez une chance sur trois de sauver 600 vies. Eh bien, les répondants vont très largement choisir l'option A, c'est-à-dire celle qui présente le moins d'incertitudes, mais elle le présente sous l'angle positif de sauver des vies. Et puis, on va présenter sous une deuxième forme la même décision. Et là, on dit à notre audience, imaginez maintenant l'arrivée d'une nouvelle maladie. Deux autres vaccins sont disponibles. Le premier vous permet d'être certain que 400 personnes mourront. Et avec le deuxième, il y a une chance sur trois que personne ne meure. Lequel choisissez-vous ? On voit bien que les deux options sont statistiquement identiques aux deux options du premier choix qui a été proposé. Mais cette fois-ci, l'audience va massivement choisir le second vaccin, c'est-à-dire le vaccin qui dit « il y a une chance sur trois que personne ne meure ». Alors pourquoi est-ce qu'on explique que dans un cas, alors que statistiquement les options sont similaires, l'audience va choisir la sécurité et dans le deuxième cas, l'audience va choisir l'incertitude? Eh bien parce qu'on a cadré ce choix de manière différente. Dans la première version, on a parlé de sauver des vies, et ça, c'était l'option certaine. Dans la deuxième version, on a dit pour l'option incertaine qu'elle permettait qu'il y avait une chance sur trois pour que personne ne meure. Et à ce moment-là, on comprend bien que l'audience voulait absolument éviter la certitude de la mort de 400 personnes. Voilà donc comment le biais de cadrage peut transformer à option statistiquement identique le résultat d'un choix. Alors, si on cherche à illustrer un deuxième type de biais, qui d'ailleurs a toujours été étudié par Kahneman hein, également, et son co-auteur, hein, Tversky, le biais d'ancrage qu'on citait tout à l'heure comme étant un des plus exploités dans les logiques de nudge. Alors, le biais d'ancrage, il est très bien expliqué dans le premier chapitre de l'ouvrage de Kahneman, « Thinking Fast and Slow ». Et il nous raconte son expérience en 1974, Daniel Kahneman, et il a interrogé des groupes d'étudiants qu'il avait en cours en leur demandant d'estimer, avec une question très précise, combien de pays africains faisaient partie de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Mais il a d'abord fait tourner une roue de la fortune qu'il avait lui-même fabriquée. La roue allait de 0 jusqu'à 100, mais cette roue-là, elle était évidemment truquée de manière à ce qu'elle tombe systématiquement soit sur le 10, le chiffre 10, soit sur le 65, le chiffre 65. Évidemment, les étudiants n'étaient absolument pas au courant que la roue de la fortune était truquée. Alors, lorsque la flèche de cette roue de la fortune, elle s'est arrêtée de tourner, Daniel Kahneman a demandé aux personnes qui participaient à l'expérience de dire si elles pensaient que le pourcentage de pays africains était supérieur ou inférieur au chiffre de la roue. Et ensuite, ils ont demandé aux participants d'estimer ce qu'ils pensaient être le pourcentage réel. Alors, de manière très intéressante, et ça illustre le biais d'ancrage, les personnes qui ont obtenu le chiffre 10, eux, ils nous disent qu'il y a 25% des pays africains qui font partie de l'ONU. Les personnes qui ont obtenu le chiffre 65 nous disent il y a 45% des pays africains qui font partie de l'ONU, de manière très spontanée. Donc on double quasiment la proportion de pays africains membres de l'ONU, simplement avec un chiffre complètement aléatoire et complètement hors contexte. C'est ça le biais d'ancrage. Les étudiants savaient que ces chiffres étaient aléatoires, qu'elles produisaient quelque chose de concret sur lequel travailler. Alors, quand il a fallu estimer, aucun des étudiants n'a pu éviter ce qu'on appelle l'ancre. C'est donc ça l'effet d'ancrage. Un autre exemple de biais d'ancrage, c'est un exemple assez célèbre également sur une opération promotionnelle avec une réduction de prix. Donc là, Kahneman et Tversky proposent une réduction de prix sur des boîtes de soupe Campbell's, comme vous le savez, marque précurseur en marketing et souvent utilisée dans l'expérimentation. Mais présente cette opération promotionnelle sous deux angles différents. La première modalité de présentation, c'est de dire que en plus de l'offre de prix, donc la boîte passe de 89 à 79 cents, la boîte de soupe, il est mentionné dans le premier choix qu'il n'y a pas de limite par personne dans la quantité de boîtes qu'on peut acheter. D'accord ? Donc c'est illimité.
Et puis, dans la deuxième modalité, c'est la même réduction tarifaire. Et souvenez-vous, on a dit tout à l'heure dans la définition du nudge un peu complexe que tu nous as expliqué, Grégoire, qu'il ne devait pas y avoir de changement sur l'incitation économique ou promotionnelle. Donc, c'est le cas, c'est la même option. Il y a toujours une réduction de 89 à 79 cents. Mais cette fois, on ajoute une limite de 12 boîtes maximum par personne. 12, c'est énorme et le résultat va être éloquent. Dans le premier cas, sans limite, il y a 3,3 boîtes achetées par personne. Dans le deuxième cas, avec une limite de 12 boîtes par personne, il y a 7 boîtes achetées, donc plus d'un doublement des ventes. Donc, la fixation de cette limite à 12 boîtes a agi comme un point de repère, hein, une ancre à nouveau, pour les acheteurs potentiels du produit qui ont voulu profiter au maximum de cette offre. Et pour illustrer un dernier biais et pour les rendre concrets, alors le biais de normes sociales qui est le troisième qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors l'exemple qu'on cite fréquemment hein, pour illustrer le biais de normes sociales, c'est l'exemple d'Eau Power. Vous pouvez le taper sur Google, vous allez trouver pas mal de documentation sur cette expérimentation. Eau Power fournit aux États-Unis, aux ménages américains, des relevés de consommation d'énergie. Qui se compose en général, donc c'est des courriers, hein, qui se composent en deux parties. D'abord, des suggestions pour économiser de l'énergie. Ces suggestions, elles sont personnalisées, adaptées à chaque ménage sur la base de nos habitudes de consommation. Et une deuxième partie de ce courrier qui exploite le principe de comparaison sociale et donc d'activation des normes sociales lors de la présentation de nos relevés d'énergie. L'idée, c'est d'influencer la consommation d'énergie des ménages américains en fournissant des informations sur la consommation d'énergie des ménages qui sont similaires et dans une zone géographique qui est proche de chez moi. Donc, les 100 maisons les plus proches de taille similaire. Et la manière dont Eau Power exploite le nudge, c'est simplement de comparer votre consommation d'énergie avec vos voisins qui sont les meilleurs élèves en matière de consommation énergétique et vos voisins qui sont les moins bons élèves en matière de consommation énergétique et ainsi de vous positionner en disant « you're doing great », dans ce cas-là c'est excellent, vous êtes parmi les meilleurs élèves de votre quartier, « you're doing good », vous êtes plutôt dans la moyenne et « you are more than average », c'est-à-dire que vous êtes plutôt les mauvais élèves de votre quartier et donc vous avez mois par mois la consommation d'énergie de vos voisins les plus économes et de vos voisins les moins économes et la vôtre, ce qui vous permet de vous comparer. Eh bien, c'est beaucoup plus efficace puisque Eau Power a estimé que l'économie d'énergie qui était réalisée dans ce plan d'expérimentation s'élevait à 75 millions de dollars sur la première année de ce test. Donc, la norme sociale est effectivement une heuristique extrêmement puissante dans la construction de nudge. Effectivement, merci beaucoup Grégoire, merci Thibault. On voit bien que les biais, c'est absolument passionnant et ça va bien au-delà du marketing, parce que je vous rappelle que nous sommes dans un podcast sur le marketing, puisque c'est du marketing reboot. Et finalement, cette problématique d'architecture de choix, au fond, comment les gens qui font du marketing et qui nous écoutent peuvent l'intégrer dans leur réflexion quand ils réfléchissent, par exemple, à présenter en premier les produits avec les meilleures notes, les plus bas prix, les plus fortes ventes en volume ou les plus fortes marges. Hein. C'est un article de 2009 de Thaler et Sunstein qui liste toutes ces utilisations du nudge en marketing. Alors Thibault, raconte-nous comment, par exemple, en marketing, le biais d'ancrage est assez souvent utilisé. Alors, il y a quantité d'exemples d'utilisation du biais d'ancrage ou du biais de normes sociales hein, en marketing. On peut penser par exemple à Doctolib, un système de réservation de rendez-vous médicaux qui va la veille du rendez-vous confirmer votre rendez-vous et puis dans l'email qui vous est envoyé, il y a une petite mention bien mise en évidence qui dit 95% des patients qui réservent en ligne se présentent au rendez-vous ou l'annulent au moins 4 heures avant. Alors on peut se dire mais pourquoi est-ce que on vient me donner une statistique sur ce que font les patients de Doctolib en général ? Ben pour une raison simple, c'est à cause de la norme sociale parce que bien entendu, on cherche ici dans le cas de Doctolib à se prémunir
de ce qu'on appelle le no-show, ces gens qui ne se présentent pas à un rendez-vous qu'ils ont fixé. Pour se prémunir, pour limiter le no-show au maximum, on va avoir recours à la norme sociale. On va faire appel à la sagesse des personnes et les inviter à se conformer à la moyenne, à la norme générale qui est soit de venir, évidemment, soit d'annuler suffisamment à l'avance. Un autre exemple auquel on peut penser, c'est la publicité un peu provocante et provocatrice de Durex il y a quelques années, donc célèbre marque de préservatifs qui, pour communiquer sur son avantage prix, montrait le prix d'une boîte de préservatifs aux États-Unis à l'époque, $2.50, avec le prix d'un fauteuil bébé pour voiture à $217. Sous-entendu, c'est presque 100 fois moins cher d'acheter une boîte de préservatifs qu'un fauteuil bébé pour les autos. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc un peu provocateur, mais pour créer un réflexe et encore une fois, un ancrage finalement dans une norme sociale ici qui est provoquée par cette publicité. Alors, on voit bien qu'on est dans l'exploitation de ces fameux biais. Alors, de manière plus générale, le nudge, c'est aussi un sujet de design. Et j'allais dire avant tout un sujet de design et de conception pour imaginer plein de nouveaux nudges. Alors, comment cela fonctionne dans la définition de Thaler et de Sunstein de tout à l'heure? On parlait d'architecture de choix. Et en effet, il y a des techniques d'architecture de choix. C'est d'ailleurs un job, hein. Choice Architect. Et il y a trois grandes techniques d'architecture de choix qui nous permettent d'envisager comment concevoir de nouveaux nudges qui s'appuient sur ces fameux biais. La première catégorie d'architecture de choix, c'est de l'information sur la décision. On va présenter des infos qui sont pertinentes sans modifier les options. C'est l'exemple d'un label sanitaire qui est affiché à l'entrée de certains restaurants avec une étiquette de couleur en fonction d'un score qui est un score sanitaire, d'hygiène en cuisine, etc. Ça, c'est de l'information pure. C'est la première catégorie. La deuxième, c'est de la structure de décision. Là, on va chercher, dans l'architecture de choix, à agencer les options et le format de prise de décision. Par exemple, quelle est la valeur par défaut? On s'aperçoit, par exemple, à titre d'exemple, qu'au restaurant, et là, c'est plus souvent la taille de l'assiette que notre faim qui détermine la portion qu'on va effectivement manger. Et la troisième grande catégorie, c'est une catégorie d'aide. Là, on va aider à la décision avec des techniques qui visent à nous fournir, nous, décideurs, une assistance supplémentaire pour nous aider à aller au bout de nos attentions. C'est l'idée d'avoir, par exemple, de la part de notre banque, des rappels réguliers par SMS qui vise à accélérer l'épargne, par exemple. Donc, ça peut être un SMS qui, de manière régulière, nous suggère effectivement d'épargner. En particulier, lorsque ces messages de rappel, ils mettent en évidence des objectifs d'épargne bien particuliers. On est plutôt dans de l'aide à la décision, et c'est la troisième grande catégorie. J'informe, je change la structure, ou j'aide les décideurs. Voilà les trois grandes catégories qui nous permettent d'envisager, en fait, en termes de design, un panel de nudge très, très large. Tout à fait, le panel de nudge est très large, mais il a quand même délimité. C'est très rapidement ce que nous allons regarder en conclusion de ce podcast. Explique-nous rapidement, Thibaut, finalement, pourquoi on n'est pas tous égaux face aux nudges? Alors, les nudges, on l'a mesuré, notamment cet article tout récent, d'avril 2021. Cet article qui travaille sur l'impact des nudges et qui mesure le fait que les nudges impactent davantage les comportements des individus qui ont moins de connaissances dans le domaine visé et aussi qui sont moins à l'aise avec les chiffres et le calcul mental. Vous voyez que c'est important d'être bon au calcul mental. Et donc, cette étude montre très clairement que quand on présente en premier des produits avec le prix bas, par exemple, pour augmenter la consommation chez les consommateurs, eh bien, c'est l'impact de cette mise en avant, de ce choix, est plus fort chez les consommateurs qui ont peu de connaissances dans le domaine ou qui ne sont pas familiers avec la marque. Donc, comment est-ce qu'on explique ça? Bien entendu, quand on manque de compétences ou de connaissances dans un domaine, ça génère de l'anxiété, une incertitude dans le choix. Le choix peut être anxiogène. Et donc, plutôt que de récupérer en mémoire des préférences stables, ces consommateurs vont fabriquer à la volée des préférences
contrairement à ceux qui ont davantage de certitudes. Et donc, ces consommateurs vont se reposer sur des heuristiques, finalement. Donc, on le voit, au fond, les nudges font appel à l'inconscient et à au manque parfois de connaissances dans un de nos domaines. Et une deuxième limite qui est quand même importante et à mentionner, c'est que le nudge, il a une influence, on l'a vu, qui est très forte sur les comportements à court terme. En revanche, ayons bien en tête que le nudge n'a pas d'impact sur les comportements à long terme. Ce qui génère du comportement à long terme, c'est très différent du nudge, c'est de la motivation. Et donc, un changement de comportement, il n'est durable que lorsqu'il est associé à une motivation très forte. Alors, la motivation, qu'est-ce qui nous motive ? Ben, c'est le fait de satisfaire trois besoins qui nous motivent et qui génèrent du changement de long terme. Il y a un besoin qu'on appelle d'autodétermination, c'est le sentiment d'être aux commandes, si j'ose dire, donc d'être à l'origine de son propre comportement. Un besoin de compétence, c'est le deuxième. Donc, une sensation qu'on peut tous éprouver lorsqu'on interagit efficacement avec son environnement. Et un besoin de relation sociale, on se sent connecté aux autres. Et donc, on a un sentiment d'appartenance. Donc, la motivation intrinsèque, c'est quelque chose qui est clé pour générer un changement de comportement de long terme. Et ayons bien conscience que ce que le nudge impacte, c'est bien un changement de comportement à court terme. Il n'a pas d'impact sur de la motivation à long terme. En tout cas, le nudge, s'il ne modifie pas la motivation, n'aura pas d'impact à long terme. C'est super clair, merci infiniment Grégoire. Et comme vous le savez, tous nos podcasts se terminent par un Let's Reboot. Alors, le nudge, c'est quoi ? On l'a vu, c'est un coup de pouce hein, en traduction littérale, et donc une technique d'incitation douce hein, qui s'appuie sur l'utilisation finalement de biais cognitifs et heuristiques. Et on a vu, il y en a énormément. C'est un concept qui est issu de 40 ans de recherche en psychologie cognitive pour travailler l'architecture de choix, c'est-à-dire finalement hein, la manière d'orienter une décision. Alors, l'essor du nudge depuis une dizaine d'années, on l'a vu, quels impacts ? Ben, finalement, un focus croissant autour de l'économie comportementale, et le nudge en est la face visible. Bien entendu, la prise en compte, voire la prédiction de l'irrationalité de l'être humain, et oui, nous sommes en partie irrationnels, voire beaucoup pour certains. Et le nudge replace au centre de ces analyses les études expérimentales et les comportements réels versus les attitudes, bien sûr. Alors, quelles attentions porter pour finir le nudge for good, dont la mission est de nous donner un coup de pouce pour pallier notre manque de rationalité, conserver bien sûr une logique outcome driven, un comportement cible, un KPI, un résultat. Et puis, bien sûr, on l'a vu, un changement de comportement, ça ne signifie pas un changement de motivation, donc l'impact à long terme est à travailler en regard des besoins psychologiques à satisfaire, on l'a vu, c'est une des limites du nudge. Merci infiniment Thibaut, merci Grégoire et merci à tous de nous avoir suivis pour ce 11e podcast Marketing Reboot. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle édition. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt.